Madame, monsieur, bonjour, merci d'être là. Nous nous sommes toujours, et vous le savez, c'est un plaisir renouvelé d'être en votre compagnie. Et nous sommes vendredi, dernier jour ouvrable de la semaine. Et nous ferons le maximum pour que vous puissiez en garder un excellent souvenir. Vendredi, nous reprenons avec Djamala. Nous avons un invité, c'est le moins que l'on puisse dire, il est pluridimensionnel. Notre invité pour Diamana. Cela dit, nous avons M. Achille Ouman qui est de retour après une ou deux semaines d'absence et il nous revient avec le sujet suivant, les habitudes de vie. Nos invités, c'est vrai que le mois de janvier est plus ou moins lent, mais nous amorçons le week-end. Donc vous vous imaginez bien qu'il y a des événements ça et là qui timidement reprennent le dessus après les fêtes de fin d'année. Notre première transition, c'est Amina, et nous revenons pour découvrir notre invité Djamala. Dans ce cas-là, je vous prie de bien vouloir m'écouter. Je vous rappelle, c'est la parole de l'Éternel. S'adressant à ses fidèles, écoutez, elles sont si belles, elles sont si bonnes. Chers frères et sœurs, je vous prie de bien vouloir m'écouter. Je vous rappelle, c'est la parole de l'Éternel. S'adressant à ses fidèles, écoutez, elles sont si belles, elles sont si bonnes. Si tu aimes Allah, dis la paix. Si tu aimes Allah, dis la paix. Si tu aimes Rasoul, si tu aimes Rasoul, dis amour. Si tu aimes Allah, dis vérité. Si tu aimes Allah, dis vérité. Si tu aimes Rasoul, dis solidarité. Si tu aimes Rasoul, solidarité. Si tu les aimes, si tu les aimes, dis fraternité. Si tu les aimes, si tu les aimes, dis fraternité. Hey, la paix dans mon pays, la paix. Cela dit, tout le monde a dit la paix, la paix dans mon pays, la paix dans mon pays. Tous les artistes musulmans disent la paix, tous les Ivoiriens. La
immobile e ti avrò viso in un pianto riso e menzognero l'arme in tuo dire qual fiume al vento muta da certo ed in pensier e sempre misero chi a ressa fina chi le convina ai caldo cuore pur mai non sentesi felici a pieno qui su quel seno non mi amore l'arme può dire guardi un vento muta da cento e merci. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là. Ah, merci, merci aussi. Merci à toute la Côte d'Ivoire. D'abord, mes voeux de santé, surtout la santé, rien que la santé. Merci, voilà. Joël. Alors, je sais, j'ai du mal à vous définir, parce que quand on vous entend chanter, on dirait un chanteur d'opéra. Voilà. D'abord, ça, c'est pour commencer. Ensuite, on sait également que vous faites partie des meilleurs humoristes du moment. Merci. On réalise également que, quand on lit votre biographie, que vous étiez disque jockey, par exemple. Bah oui. Bon, on va résumer. Qu'est-ce que vous n'avez pas fait? Bon, qu'est-ce que j'ai pas fait? Rien. Vous-même, si vous deviez vous résumer, ce serait comment? Si je dois me résumer, Joël est un homme orchestre. Mmh. Voilà. En Joël, on a tout. On a le chanteur, on a l'humoriste, on avait le danseur. Voilà, quoi, puis bon. Vous ne voulez plus danser? Non, je reprends petit à petit. Ça, c'est... Quel genre de danse? Un peu de tout. Actuellement, c'est DJ qui prend. Donc, on est dedans. Mm-hmm. Les bankaka, tout ça là. Mm-hmm. Mm-hmm. C'est dedans, on est actuellement. Actuellement, on ne peut même pas avec toi. Arafat ne peut même pas avec toi actuellement. Oh, enfin, ça dépend. La beauté appartient à l'œil qui regarde. Oh, vraiment, pourquoi tant d'amour? Voilà, donc c'est comme ça. Joël, c'est un tout. C'est vraiment un tout en un. Voilà. D'accord. Et Joël, c'est à l'état civil aussi? À l'état civil, c'est Ngadi Joël Eric. Mm-hmm. Voilà, le petit nom Langata pour les hautes fonctions. Mm-hmm. Voilà. Alors, on va commencer par la chanson. Voilà. Et pour arriver à ce stade dans la chanson, parce qu'on réalise qu'il y a énormément d'artistes. D'abord, qu'ils reconnaissent qu'ils apprennent à chanter. Oui. Et pourtant, ils sont célèbres déjà. Hein. Mais reconnaître qu'ils apprennent à chanter. Vous, on admet et on voit que vous chantez déjà très bien. Et donc, vous chantez depuis quand? Quoique, j'apprends toujours à chanter. Ah, j'aime bien l'humilité, voilà. Précède la gloire. N'est-ce pas? J'apprends toujours à chanter. Aux alentours des années 2010, voilà, j'étais au Conservatoire National de Côte d'Ivoire et là, j'y suis retourné parce qu'il y a eu un petit temps de cassure avec les tournées. Voilà, et donc, depuis lors, je me suis dit, bon, qui veut aller loin maintenant avec sa monture? Donc, il faut que je reparte à l'école, apprendre vraiment ce métier-là pour que demain, je puisse en faire bénéficier à toute la population. Alors, parlez-nous de... Moi, je dis chanteur d'opéra parce que pour avoir écouté de célèbres opéras, on réalise qu'il y a, soprano. Oui, ce sont les différents termes les de voix. Soprano, alto, bariton, basse, voilà. Ténor. Vous êtes ténor? Je suis à cheval entre les basses et les ténors, donc je suis bariton. Vous êtes bariton. Voilà. Donc ça veut dire que vous êtes chanteur d'opéra. Parce qu'il faut avoir du corps. Bon, j'ai le timbre bariton. Voilà, ma tessiture de voix, c'est la tessiture bariton. Maintenant, pour devenir chanteur d'opéra, ça nécessite beaucoup, beaucoup de travail. Minimum, je crois, 10 ans, hein, parce que la dernière fois, j'ai été avec des chanteurs d'opéra qui m'ont dit que depuis maintenant 17 ans pour chacun, voilà, pour d'autres 19 ans, 20 ans, ils sont toujours à l'école de la chanson. Donc, je dis, bon, autant m'y mettre
On ne sait pas, peut-être que demain, ça pourra donner quelque chose. Quelqu'un comme Pavarotti fait partie de vos... Luciano Pavarotti. Ils font partie de vos modèles? Oui, Luciano Pavarotti, Carreras, Placido Domingo, Andrea Bocelli. Andrea Bocelli aussi. Oui, les gens passent. Il y en a tellement. Il y en a tellement. Alors, comment est-ce qu'on apprécie quelqu'un comme Pavarotti et on fait du coupé décalé? Parce qu'il y a deux mondes. Oui. C'est vraiment... On apprécie quelqu'un comme Pavarotti, en fait, du coupé décalé, dans la mesure où on est en Côte d'Ivoire. Mm-hmm. On est en Côte d'Ivoire et le petit aspect humoriste nécessite qu'on puisse faire la musique du temps. Et la musique du temps en Côte d'Ivoire, c'est mm-hmm. le coupé décalé. Mm-hmm. Donc, pour faire un peu de tout, voilà. Quoique si demain ça devient Akpangba, on va faire Akpangba. Pour l'instant, avec la casquette humoriste, voilà, je suis bien obligé mm-hmm. de faire plaisir à nos différents fans, de raison pour laquelle je fais le coupé décalé. Enfin, j'essaie de faire maintenant le coupé décalé, quoique ce n'est pas facile. Donc, vous allez vous chanter quelque chose, coupé décalé? Écoute, c'est un tout, hein. C'est un tout. Donc, actuellement, la prochaine galette qui va venir, voilà, on a essayé. Le petit qui met de la joie dans le cas des mamans est de retour. L'enfant qui met de la joie dans le cas des papas vient d'arriver. Maintenant, les roucasse-casse, la tia. C'est trop compliqué. Alors, et comment est-ce qu'on arrive à l'humour? C'est un don, ça se cultive, ça se travaille, c'est inné? Me concernant, l'humour, c'est plus ou moins inné. Voilà, c'est plus ou moins inné parce que, comme dirait l'autre, on ne saurait se mettre à table avec les membres de la famille de Joël et ne pas en sortir heureux. Mm-hmm. Et donc, je tiens ça de ma famille et puis par la suite à l'école. J'étais celui-là même qui arrivait toujours à sortir heureux, même des situations malheureuses. Je mm-hmm. me retrouvais souvent en classe, on me dit, Ngadi Joël, oui, présent, on me donne ma note, hein, 5 et j'en ris. Mm-hmm. Les gens me demandent, mais pourquoi est-ce que tu ris? Je dis, mais écoutez, il faut aller toujours de l'avant, il faut être toujours positif. Et donc, être positif, c'est celui-là même qui, malgré tout, sait s'en sortir. Voilà. Mmh. Donc, j'ai décidé de me jeter dedans. Depuis tout petit, c'était les scénettes que je faisais. J'imitais beaucoup le Korogbi de fer, Jean-Michel Cancan en son Jean-Michel temps. Jean-Michel Cancan, voilà. Prenez l'accent camerounais, voilà. Et donc, j'ai dit que, il y a longtemps que je me trouve. J'ai mangé de matin jusqu'à le soir. Quand j'ai mangé. Et comme ça que les 5 kilomètres, ça dépend. Ça dépend que c'est qui paye. Si tu as l'argent, tu manques dans l'étage. Si tu n'as pas l'argent, alors que tu descends, tu prends que ton pied. C'est ça. C'est normal. Et avec sa célèbre phrase, tu es mort, donne mon argent pour nous mourir. Voilà, c'est ça. Un cadavre doit mourir. Voilà. C'est ça. Alors, vous êtes issu du CRU 2011, de Bonjour 2011, oui. En fait. Oui. Et comment ça s'est passé? D'abord, pour y participer, comment ça s'est passé? Pour y participer, je peux dire que ça n'a pas été du tout facile, dans la mesure où depuis 2010, on essayait d'entrer dans cette grande reine. Voilà. Et puis, avec le travail qu'on a essayé de faire depuis 3-4 ans environ, voilà, j'ai été proposé, après qu'on m'a écouté, on m'a dit, bon, ok, on va t'essayer, on te donne ta chance, et puis à toi de savoir la saisir. D'accord. On va faire une pause et je vais vous demander de nous proposer quelque chose. Le registre que vous avez commencé est parfait. Vous êtes polyglotte aussi? Ça dépend. Ça dépend de là où on se trouve. En général, je parle les langues quand j'ai besoin de quelque chose. Voilà. Surtout l'anglais. Quand on se retrouve dans une situation, il faut parler anglais. On en parle. Mm-hmm. Voilà. Alors là, qu'est-ce que vous avez envie de nous chanter et pourquoi? Là, je vais bien sûr vous interpréter Nobody Knows de Armstrong parce que c'est une chanson qui raconte un peu la souffrance qu'on endure. Enfin, tout le monde, mm-hmm. en particulier moi. Mm-hmm. Voilà, la souffrance que j'ai endurée, je continue d'endurer parce que c'est une quête perpétuelle de, disons, l'humour, la vie. Mm-hmm. Voilà, c'est une quête perpétuelle. Donc, Nobody Knows the Trouble I've Seen. Donc, personne ne comprend, ne connaît les problèmes que j'ai traversés. Voilà. D'accord. Et donc, nobody knows. Maestro. Nobody knows how it travels. Since
No, about your nose. About your nose. No, about your nose. Have a travel out since. Apprécier quelqu'un de son gabarit, c'est déjà avoir des ambitions voilà. Tout à fait louables. Hein? C'est ça. Qui veut aller loin, on aille sa monture. Alors maintenant, on retourne dans l'art de l'humour. Oui. Et si je vous demandais de nous improviser quelque chose, ce serait quoi? Improviser quelque chose, ça serait ça. Est-ce que vous savez pourquoi est-ce que Muriel Aoré a obtenu 2 médailles d'argent au Mondiaux de Moscou? Eh bien, on était à Moscou, arrivé à Moscou, on a appelé en Côte d'Ivoire. Et donc, on entend président de la République de Côte d'Ivoire, bonjour, vous vous adressez à... Et là, on dit, on veut parler à papa. Et là, la dame nous dit, mais quel papa? Il y a beaucoup de papas ici. On dit, vous aussi, des enfants qui sont à Moscou, c'est à quel papa ils vont parler? Passez le président de la République, s'il vous plaît. Et quelques minutes après, on entend, allô les enfants, ça va très bien. Alors, je crois que vous êtes à Moscou, c'est ça. Passez-moi Muriel, s'il vous plaît. Quelques instants après, Muriel a eu au téléphone. Allô, Excellence. Alors, Muriel, je crois que vous êtes à Moscou, c'est ça. Elle dit, oui, Excellence. Alors, je voudrais te donner des cousines fermes avant que tu t'en ailles courir. Je vous écoute. Alors, Muriel, tu sais, il y a longtemps qu'on a découvert l'or à Tongon. Voilà, il y a trop d'or ici actuellement. Pour l'instant, l'argent travaille, il n'y a pas d'argent. Donc, prends l'argent, tu viens. Elle a pris 2 médailles d'argent. Sinon, on pouvait prendre l'or. Ah oui, on pouvait prendre l'or, mais le jour-là, on allait prendre l'argent. L'argent travaille. Et vous vous sentez plus humoriste ou chanteur? Actuellement, je suis au milieu vraiment. Mmh. Voilà, parce que il y a des moments où on se sent beaucoup plus chanteur qu'humoriste. Quoique, je m'évade beaucoup plus en tant que chanteur. Mmh. Mmh. Voilà, en tant que chanteur, il y a... C'est vraiment la chanson, c'est tellement large comme voilà, champ d'expression que souvent je m'oublie. Il y a des moments où je suis en prestation, on me demande de faire juste 20 minutes, je me retrouve en train de faire 1h30. Mm-hmm. Voilà, parce que il y a des moments aussi en humour, on nous demande de faire 15 minutes, mais tellement que le public est réceptif, on se surprend en train de faire carrément un one-man show et puis ben voilà.
Et donc la qualité de l'humour dépend du public. Oui, la qualité de l'humour dépend du public. Une fois que le public est réceptif, il n'y a pas de souci. Mm-hmm. C'est-à-dire qu'on se surprend. Et en général, moi, j'aime bien cet humour-là, qui est en sorte de causerie. Mm-hmm. Voilà, donc je communique pleinement avec le public. Mm-hmm. C'est vraiment... Du tic au tac, voilà. Je lance une vanne, le public réagit en fonction, il y a quelques ressentiments dans la salle, et puis voilà, on rebondit dessus. Et quel est votre premier souvenir de votre première scène? Le premier souvenir de ma première scène, ça, il y a vraiment longtemps. Il y a vraiment longtemps. Ça remonte il y a environ 8 ans. Mmh. Voilà, donc j'étais à un mariage. Dans le temps, j'étais avec un grand frère que je salue au passage, docteur. Voilà, le grand frère docteur Emiam, avec lequel j'étais d'abord dans sa sono. Mm-hmm. Donc, j'étais le petit gars qui branchait souvent, on essayait de... Et donc, il m'a proposé, voilà, il y a un mariage, je te sais, très comique, vas-y, lance-toi. Mm-hmm. Et donc, j'ai essayé, ça a plu, et depuis lors, je suis collé à cette histoire. Voilà. Quoique avant... C'était vraiment pour s'amuser au quartier, mais après, j'ai commencé à me lancer dedans. Quoi. Mmh. Voilà. D'accord. J'ai remarqué que lorsque vous chantez, vous avez une voix totalement différente de celle du parler. Oui. Comme si c'était deux personnages qui cohabitent. C'est ça. En fait, c'est ça? C'est ça. Enfin, je veux dire plusieurs personnages qui cohabitent parce que je m'inscris dans pratiquement tous les genres musicaux. Mmh. Voilà, bon, si j'ai l'occasion d'apprendre à chanter chinois, ben je vais chanter chinois. Mmh. Et donc ça dépend. Dans tous les genres, voilà, j'arrive à me... Enfin, mmh. c'est une autre voix que j'utilise pour les différents genres. Mmh. En domolo, on va prendre le thème domolo. Mmh. En makossa, on prendra le thème makossa. Oui, ça me prend déjà, il faut le faire. Hein, voilà, il faut le faire. Et je pense que c'est... En plus, vous avez même les mimiques. Voilà. De Louis Armstrong, pour ceux qui... voilà. Qui savent de qui on parle. Mm-hmm. Il avait même un problème à la gorge. Oui. Je crois que c'est vraiment ça qui a fait que c'était le plus quoi, voilà. Mm-hmm. Son succès. Voilà. Donc chaque fois qu'on est dans un registre, il faut pouvoir s'y inscrire. Et puis bon, c'est ce que j'essaie de faire. Mm-hmm. Donc au finish aujourd'hui, on me pose la question, quelle est ta voix toi-même? Je dis, je ne sais pas, c'est quoi c'est pas ma mal voix. Comme voilà. Question, ça. Avec la prof de chant, elle m'a dit, monsieur, s'il vous plaît, c'est quoi votre voix? Je dis. Madame, je ne sais pas, écoutez-moi, vous me direz quelle est ma voix. Ah. Et donc, c'est aperçu que lorsqu'on part on quitte un genre de musique pour atteindre un autre genre, c'est carrément une autre personne. Proposez-nous encore un autre genre. Un autre genre. Oui. En a cappella, là, comme ça? Oui. Ben, souvent, on se surprend en train d'entendre, voilà, « Oh, 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 oh. Ça je demande dans mininya miningba. Bon, enfin, ça c'est un peu ça comme ça. Sinon, embêté, disons, je l'ai dit là, on entendrait Wakla un kuko, Waka un lio, et za, wana waba un o, Waka un pa, d'autonio. Bon, c'est un peu ça, quoi. Donc, c'est même beaucoup ça. Hein? On change de registre, mm-hmm. Et on change aussi voilà, la voix. Très beau. Très voilà. Bien. Alors, votre pianiste vous accompagne sur quel morceau? Là, maintenant, mm-hmm. On va essayer de proposer Finke pa chenon navro, qui veut dire tant que je n'aurai pas la paix. Mm-hmm. Listen, maestro. Senza fu una malattia.
e narse giorno qui tra la lenzuola come ogni volta io fumo ancora d'altro fumo tuo che mi segue in ogni respiro quando tornerò dentro casa mia e risuonerò touchant, même si on ne comprend pas forcément les paroles, il y a un aspect profond. Oui. Et on sent que vous vivez le morceau. Ah, mais il faut vivre. Pour donner de l'émotion au public, il faut que nous-mêmes, on la voit. Voilà. Sinon, si on n'a pas cette émotion, on ne peut pas la communiquer. Mm-hmm. Voilà. Je me suis surprise à avoir un peu la chair de poule. Je me dis, mais attends, le drame, c'est que je comprends ce qu'il dit. D'accord. Donc, on va devoir conclure notre entretien. On revient à Bonjour 2014. Oui, Bonjour 2014. Vous êtes parmi les têtes d'affiche. Oui. En tout cas, on a été ravis de recevoir le public il y a environ 2 semaines, sinon moins de 2 semaines, le 28 décembre dernier, mm-hmm. au Palais des Sports, mm-hmm. où on a vraiment fêté. C'était une grande fête. On s'est amusé. J'espère que le public aussi. Voilà. Et donc, les téléspectateurs, dans quelques jours, auront à nous regarder, vous allez nous suivre. Mais pour l'instant, on va se donner rendez-vous pour d'autres dates. Voilà. Mm-hmm. Et ces dates-là sont les 18, 24 et 25 janvier prochain. Mm-hmm. D'abord l'étape de San Pedro, après on ira à Boaké et mm-hmm. à Yamoussoukro. Voilà, donc voilà les 3 étapes qui nous attendent pour... On reprend les dates ? Voilà, 18 janvier, c'est où, 24, 18, San Pedro. Mm-hmm. Voilà, San Pedro, on va aller voilà, là-bas pour danser. On va danser ça. Mm-hmm. Maintenant, après, on s'en va dans le... Ça, c'est 24. Mm-hmm. Et puis 25, on descend. 24, c'est où ? 24, à Boaké. Mm-hmm. À Boaké. Maintenant, on descend dans la... C'est le Magaba, 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 Sereo. Magaba et Sereo. Ça, c'est le 25 à Yamoussoukro. Venez, ce que vous n'avez pas vu là, vous allez voir. C'est là que vous allez comprendre que vous avez compris. D'accord. Voilà. Et votre dernier morceau pour que l'on prenne congé, ce serait lequel ? On va rester en joie. Bien sûr. On peut chanter Let My People Go ? Ah oui, c'est joli ça. On la chante ensemble ? Ah non, je ne sais pas la chanter. Non, c'est, on répond seulement Let My People Go. Je vous donne le OK, puis c'est bon. Ça va. Alors, chers téléspectateurs, we are to sing it together, please. Oh, que non. Voilà. I need you. Let's go, maestro. Voilà, je suis avec mon pianiste, voilà. Fred Mankaye qui m'accompagne. Voilà, c'est enfant des gens. Regardez, c'est lui qui est là. C'est lui, piano là. Mm-hmm. Mettez les mains, s'il vous plaît. Voilà, on va essayer de faire comme la petite fille. Oh! J'aime bien. When Israel was in Egypt's land, let my people go. How precious are they to not stand? Let my people go, that I'll say go down. I'll rain down in Egypt's
Tête d'affiche, bonjour 2014. Il n'y a pas de souci. Venez, pardonnez. Entrez, on vous a dit, sortir, c'est cadeau. Voilà. Payez, entrez, nous, hein, payez, sortir, cadeau. Venez, oh, venez. Si vous n'êtes pas venu, alors je vous invite à venir. Venez, vous allez voir des choses exceptionnelles. Je vous remercie. Merci. Alors, Apocalypse, c'est notre transition suivante. Et M. Achille Ehouan est notre personne ressource. Et le thème d'aujourd'hui est les habitudes de vie, à tout de suite. Chaque jour de ma vie, je remercie tes parents de m'avoir donné ce beau cadeau, bébé. I love you. Elle est jolie, elle est gentille, c'est la plus belle, c'est mon bébé, I love you, yeah. Baby, tu es l'enfant de mon cœur, maman Rachel, baby, tu es l'enfant de ma vie, Boulé, mes chimés, bouti, kouamelé. Baby, tu es ma femme, je suis ton mari, on est ensemble pour la vie. Baby, ayo, ne pleure plus, je suis là, bébé. Famille,